Bienvenue sur la chaîne Dylan Gaming. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo donc sur Bubble Switch 3 Saga. Donc c'est le tout nouveau Bubble Switch qui est sorti, ça fait déjà assez longtemps. Et donc un avis de 4,7 et premier dans les jeux gratuits. Donc il fait vraiment le buzz en France pour ceux qui sont d'Espagne ou encore de Belgique, comme je le vois dans mes statistiques. Donc vous inquiétez pas, les bordures qu'il y a noir sur les côtés, c'est le jeu normal, hein, parce que ce n'est pas mon truc de record qui fait ça. Voilà, je vous le dis. Donc c'est ça qu'on fait parce que les serveurs privés de Clash Royale sont encore fermés. Je ne sais pas quand ça va rouvrir, mais va y avoir à peu près des vidéos tous les jours cette semaine. Donc une vidéo demain car mes cours le permettent. Tous mes cours, tous les créneaux horaires me permettent de faire une vidéo, donc c'est finalement parfait pour vous. Vous allez kiffer, je pense, si le serveur rouvre. Allez, c'est parti. Donc, on va jouer. Donc, le principe est très simple. Voilà, donc nous avons lui qui va donc lancer. Ok, super. Donc, Stella Wilbur a enlevé la reine des fées. Quoi, Wilbur? Je m'en charge. Et donc, libérer les hiboux. Voilà, donc c'est la première fois que je le démarre. Donc, du coup, c'est pour ça que du coup, ça fait un peu. Voilà. Libérer les hiboux. Assortissez les hiboux pour les sauver. Ok. Maintenez pour viser et relâchez pour tirer. Bon, c'est comme Baby 111, on va dire. Ah, sorti ces trois boules. Ah oui. Ah oui, c'est un peu le problème. Alors, attendez. Bah, faut bien viser pour que ça tombe. Et voilà, ça n'en fait. Voilà, du coup, c'est plus parfait. Voilà, boum, magical, on a libéré quelques. Et voilà, boum, ça recommence. On libère des hiboux en masse. Donc peut-être que vous allez entendre un peu le vent, c'est normal. En ce moment, on a beaucoup d'intempéries de vent. Et du coup, on peut l'entendre un peu dans mes vidéos. Parce que ça souffle énormément. Voilà. Mais t'inquiète pas, Salim, tout va très bien pour l'instant. Et voilà, on a libéré tous les hiboux. Donc ça va faire ça pendant toutes les missions qu'on va avoir à faire. Et donc plus on a gardé de balles, plus on a de points. Donc voilà. Donc c'est vraiment parfait. Là, je vois, c'est vraiment un temps, mais vraiment pourri. Des rafales de vent à je sais pas combien de kilomètres heure, mais en tout cas, ça souffle très très fort, très très bien. Et voilà. Voilà. On entend même les volets, même qui sont attachés, claque, du coup, avec le vent. Voilà, c'est vraiment puissant. À sortir les hiboux pour les sauver, voilà. Comme tout à l'heure, quoi. Allez, c'est parti. Donc là, on va être un petit peu plus. Voilà, poussif. Voilà, et les boules tombent. Parfait, parfait. Va falloir être plus précis. Allez, là-haut, ça sera bien plus facile. Voilà, ça fait tomber les autres boules. C'est pas mal, c'est très très bien. On va essayer tout là-haut, même si je pense que c'est bien possible, excellent. Et il nous manque une bleue, peut-être. Oui, on va faire. Paf. Ah d'accord, super. Ah oui, c'est vrai qu'il faut en sortir 3. Et voilà. Donc c'est vraiment un jeu comme BB Tan 111, de BB Tan 111. Mais là, sauf que là, c'est un jeu de King, pas King Kong. Je rigole, non, rigolez pas cette blague. Voilà, mais de King. Voilà, comme celui qui a fait Candy Crush Saga, il me semble. Attendez, je vais regarder vite fait. Alors, donc, voilà, niveau 3. On essaye ce petit niveau 3, on va voir comment ça se passe.
Ouh, c'est galère. Alors, attendez, parce qu'il y a une pub avec mon truc de nettoyage. Alors, Candy Crush Saga, attendez, je regarde vite fait. Candy Crush Saga, c'est de King aussi. Ouais, c'est de King aussi. Donc, c'était bon, j'étais bien dans le truc. Allez, donc on va mettre ça là pour tout défoncer. Ça défonce tout, ça c'est excellent. On va essayer de sortir ça là. Ah merde. Voilà, ça c'est bien joué ça. Ça aussi. Voilà, ça c'est bien joué aussi. Ça va juste balancer là, voilà, comme ça, ça détruit tout. Et on est bien. On est toujours bien, on est toujours bien. On va essayer d'enlever ça. Voilà, ça c'est détruit. On va essayer d'enlever les bleus maintenant qui nous emmerdent. Et rouge. Et voilà, ça a tout fait tomber, c'est excellent. À te libérer, mon coco. Boum, et voilà, ça défouraille tout, ça défonce, c'est excellent. On s'amuse, on se marre et on se pète dessus. Voilà, et ça libère, et ça libère. Et finalement, vous voyez, plus on avance, plus c'est dur, bien évidemment. Voilà, on a almost there. On va croire, c'est... Parfait, parfait, parfait. Et bram, ça défonce encore. Là, on va être obligé de faire ça. Voilà. On est bon pour l'instant. Le seul rouge qui reste. Voilà, donc j'ai défoncé les rouges. On va essayer de défoncer les bleus, la dernière. Voilà, bon, facile. On n'a pas. Voilà. Mais il nous en reste 9. Il nous en restait pas beaucoup finalement. Donc, c'était assez chaud. Voilà. J'espère que ce jeu vous aura plu. Bon, en tout cas, ça m'a plu. Je suis vraiment. Je suis quand même déçu de pas avoir du Clash Royale du serveur privé. C'est vraiment dommage. Voilà, après j'annoncerai peut-être un petit truc si on arrive à savoir, une petite surprise vu que je pars en Espagne. On verra. Voilà, on va voir tout ça, je vous dirai, je vous informerai. Et voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, mettez des commentaires et abonnez-vous. Ciao, bye bye.